Repère. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de regarder le Seigneur des Anneaux, mais genre la version méga longue, tu vois. Je veux aller dans la Lorienne, tu vois. Champignons. Animaux. Poisson, attends. Je vais regarder ce que tu me dis, hein, Stéphane. 2 secondes, je termine le truc là. C'est quoi ça, Pierre? Que me dis-tu? Pourquoi pas une feuille de style externe? Je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Des espaces en haut, sur la gauche et la droite de ces... Ah ouais, je comprends ce que tu veux faire. Je comprends ta logique. C'est pas mon style. Je veux apprendre les choses au fur et à mesure, d'accord? Ça, c'est trop. Tu me donnes trop de trucs. Attends, le deuxième truc qu'on fait, c'est quoi? C'est les repères. Repères de légende. Alors, je viens de m'endormir là, officiellement. Alors attends. Donc déjà, on va enlever. J'ai enlevé le. Ok, donc je vais enlever ça. Bam. Ok. Ensuite. If item égale. C'est quoi le troisième item? Lieu. J'ai tellement pas envie d'aller à ce rendez-vous demain. Je veux dire lieu légendaire. Pourquoi je dois aller dans ce lieu? Pourquoi je dois aller à... Non mais Stéphane, ne pleure pas, je veux utiliser ton truc, mais d'abord je finis, je fais un truc qui marche. Après on va regarder un petit peu comment cosmétiser tout ça. Alors c'est quoi ensuite? C'est des rivières de légende. Et les rivières de légende, c'est fait. Les plantes de légende. Ah, j'ai oublié de faire. Alors, oulala, qu'ai-je fait? Lieu de légende, ça c'est rivière. Je vais trop vite, je perds le fil là. Plantes. Très concentré là. Alors. L'introduction. Oui, j'ai pas de fichier CSS. Ouais, l'introduction je trouve que l'intro du jeu de Alia, de Vertegrez, cette espèce de travelling horizontal avec un truc très beau, c'est fantastique. C'est fantastique et je crois qu'elle a amélioré le vaisseau en plus depuis. Donc, au début, j'avais un vaisseau un petit peu bizarre. Ensuite, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il y a après les... Hop, 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 attends. Plante, ouais, plante de légende, ça c'est bien. Ensuite, j'ai quoi? Plante, c'est fait. J'ai un doute. Ouais, les plantes, c'est fait. Les plantes, c'est fait, les plantes, c'est fait, les plantes, c'est fait, les plantes, c'est fait. Champignons. Champignons de légende. Ok. Ah, champignons quand même. Quand est-ce qu'on en voit la fin? C'est quoi ce truc-là? Comment on peut enlever cette... Champignons, c'est fait. Animaux. J'ai mis champignons là, ouais. Animaux de légende. Ok. Je sauvegarde. Ensuite, il y aura les poissons peut-être. Poisson, tout à fait. Poisson de légende. Là, je mets poisson. Ok. Poisson, c'est fait. Il nous reste plus que les pierres de légende. Genre la légende des pierres, tu vois. Ok. Alors, regardons si ça marche. Normalement, je peux enlever tout ça. Pam! Ok, les gens se parlent entre eux. Non! Non! Alors là... Je vais avoir un gros problème. Alors, qu'est-ce qui va pas? A priori, il y a un problème. J'ai un problème de parenthèse en trop. Ah, ça va être ça. Non. Ça marche. Ok. C'est celle-là. Ouf. C'est à la fois la première et à la fois... Là, je vais appuyer sur refresh, ça va marcher. Yes, ça marche. Donc, je sais que ce repère des légendes, ça marche. Lieu, ça marche. Ah, les rivières, ça ne marche pas. Plante, ça marche. Tiens, les Beatles. Quoi? Qui a appelé Jean-Yves Le Drian? Startup Nation, super. Ok, champignon de légende. Annick Girardin. Flipper, zèbre des mers. Attendez une seconde, je reçois des messages. Parti conservateur britannique. Ah. Attendez. Alors, un peu de commentaires dans le code. Ouais, t'as raison. T'as raison, je devrais. Je devrais. Là, j'ai un problème, c'est que je sais pas pourquoi j'ai ça là.
Je sais pas à quoi ça sert. J'aimerais l'enlever. Bon, bref. Qu'est-ce qui va pas? Tout va bien, a priori. Ah si, les rivières ne vont pas. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai mis un accent sur rivière. Suis-je bête? Oui, je suis bête, vous pouvez le dire. Voilà. Maintenant, je clique sur rivière. Et on a nos rivières. Ok, c'est cool. Maintenant, on va faire la description. Donc là, j'ai entrée. Ok. Ah non, attends. Ouh là là là. Ah, j'ai dû. Donc entrée, entrée. J'ai l'entrée. Et j'ai le nom, d'accord? Donc là, je vais mettre à chaque fois nom entrée égale nom pour pouvoir le sauvegarder parce qu'après il est effacé par d'autres trucs. Donc. Voilà. Okay. On va un peu la pimper, ça va être cool. Et ouais, je pourrais commenter, t'as raison. Mais finalement, quand on code aussi limpidement que moi, est-ce qu'il y a vraiment besoin... Genre, s'il y a bien les noms à chaque fois, il y a bien les noms. Ok. Donc là, on a l'entrée. Voilà. Normalement, l'entrée, elle s'affiche là. Attendez, excusez-moi. L'entrée. What? Voilà, je print l'entrée là. Et là, je la prends en fait. Je ne vais pas l'utiliser là, d'accord? Voilà. Par contre, je l'affiche là. Donc là, on va utiliser le même principe, c'est-à-dire que je vais avoir le nom entrée. Et ça va être un peu moche, hein, mais on va... Alors attendez. Ouais, c'est un peu... Ok, donc là, je clique là. Effectivement, j'ai engelure. Ok, ça marche. On va faire deux, trois choses. Hein. On va améliorer, hein. Je sais, c'est pas très joli. Alors. Voilà, là je vais faire font. Ok. Ensuite, quand on va chercher, il faut rajouter et item égale item. Comme ça, on reste